Bon, ben salut à tous, on se retrouve sur un petit Assassin's Creed Origins, comme promis. Et puis bon, du coup, tous les DLC, tout, donc ça prévoit du bon. Allez, je lance pour la première fois. Bon, on va se mettre en normal, hein, on va pas non plus se faire du mal. Si jamais vraiment j'ai vraiment apprécié le jeu, on pourra se le refaire en plus complexe pour avoir un peu de défi, mais je suis même pas sûr. J'aime bien faire les jeux dans la difficulté à laquelle ils doivent être faits. C'est toi le Medjay de Siwa? Je croyais que les Medjay devaient protéger le pharaon. Je ne suis le Medjay d'aucun pharaon. Tu vois ça? Je sais lire mon propre nom, Nek! On te trouvera! On te trouvera! Dans ton sommeil! Dans mon sommeil, je ne dors jamais. J'attends, moi. J'attends dans l'ombre. Et je vous tuerai tous! Tous ceux qui ont respiré l'air de Siwa ce jour-là! Tu m'as laissé pour mort. Ok. Tu as eu tort. Ton maître était un meurtrier. J'ai juré de le protéger. C'est une question d'honneur. Je suis le Medjay de Siwa. Ça fait de toi un ennemi digne de moi. Tu es rapide, Medjay. Mais moi, je suis puissant. Hop. Je suis fier d'affronter le dernier des Medjay. Ah ! Hop. Merde. Le premier combat est pas incroyable. Cet endroit servira de tombe à l'un de nous deux. Ce sera toi. Faisons une trêve. Ce n'est pas toi que j'ai juré de tuer. Mon honneur est en jeu. C'est un combat à mort. Tant pis. Hop, hop. Voilà.
Anubis t'attend. Voilà. Dors auprès d'Horus, connard, va. Oh. C'est le mec attiré par le loot, absolument. Alors. Ouh, alors, déjà. Le menu plutôt sobre. Donc là, on a des ingrédients, objets de quête, papier russe. Ouais, bon, ici, c'est toutes les conneries. Aptitude. Oh. Votre santé peut se régénérer au combat. Vous asseoir, méditer, amener le temps à s'écouler plus vite. Déplacer dans votre inventaire, flèche adverse plantée dans votre bouclier. Oh. Tuer un ennemi d'un tir dans la tête rapporte des XP bonus. Assassiner un ennemi rapporte des XP bonus. Bon bah. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Charger votre attaque puissante, une attaque puissante entièrement chargée brise les boucliers de tour et renverse ses adversaires au sol. On effectue une attaque depuis les airs. D'une attaque adverse en appuyant sur E en mode bouclier pour infliger des dégâts critiques et créer une ouverture dans la garde d'un ennemi. Putain, il y a pas mal de touches. Hein. On va partir là-dessus. Ouais. Allez. En loot. Merde. Là, c'est un dernier truc aussi. Non. Ah oui, oui, parce que j'ai débloqué des trucs. Armure de centurion. Vêtements d'Horus, cobra du désert. C'est sympa celle-là, mais. J'avoue que j'en sais rien, j'hésite entre celle-là et celle-là, en vrai. Parce que celle-là j'aime bien, mais... Oh, attends, tiens. Dessus, non. Mais on voit pas ce que ça donne comme, comme bonus. C'est juste des tenues, en fait, de toute manière. C'est pas... En fait, c'est juste esthétique, je pense. Oh, par contre, on va prendre un... Chemin direct en vrai. Donc si c'est juste esthétique, par contre je vais prendre celle-là. Arme à distance, non. Ah. Oh. Cadence de tir, adrénaline, élimination. Vitesse de charge, multiplicateur de combo en feu. Porteur d'armes, ah ouais, ok. Donc je pourrais avoir une meilleure, je pourrais avoir deux armes, une arme dans chaque main, c'est cool ça. Résistance à distance, résistance au feu, résistance au corps à corps, adrénaline parade, taux d'absorption de dégâts. J'ai tous les bails normalement. Pas on a quoi. Ok, j'ai pas une thune. Hein. Je suis à sec. Je suis secos. Oh aussi, j'ai 500. Guerrier de l'ombre. Ça c'est des tenues. Oh putain, il y en a qui peuvent être jolies en vrai. J'aime bien celle-là.
bien celle-là aussi qui fait un peu gladiateur. J'aime bien aussi celle-là. Fait un peu Spassadin. Et par contre, les chevaux et tout. En vrai, je pense que je pas j'achèterais cette merde. Et en vrai. Oh, le Libadaire. Ah, vas-y, gros, je suis obligé d'acheter le Libadaire. En vrai, je suis obligé d'acheter le Libadaire. Obtenir, 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 obtenir. Obtenir, obtenir, obtenir. On va tout obtenir. Hein. Merde, c'était pas dans les. C'est là-dedans qu'il faut que je. Attends. Ok, donc là, du coup, on a ces tenues-là. Ok. Et merde. M2 calamité. Ok, donc j'ai déjà des armes en plus pour quand je serai plus haut level. Ça, c'est cool. Ah, ça, c'est cool. Ok, bon, bah ça part. Ok, bon, la sensi, elle a l'air bonne. Mec, ces scarabées viennent sûrement de quelque part. C'était là, fallait que j'aille. Je suis un génie, frère. Enfin, ce coup de bol, surtout, je suis allé pile à l'endroit où fallait aller. A dû être construit il y a plusieurs siècles. Pour utiliser l'impulsion de l'animus. Ah oui, c'est le même système de que Odyssée. De toute façon, ça ressemble plus à Odyssée qu'à Valhalla, là c'est bien, en vrai. Enfin, même dans les menus et tout, je préfère. Sur Valhalla, j'étais pas ultra fan. Je vais me changer ces touches là, attendez 2 minutes. Ok, ça devrait être un peu plus simple. Voilà. Hop. 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 Ah, là-haut, de la lumière. Des soldats. Bien entendu. On va s'en charger des soldats. C'était quoi? Sur lui! Voilà. Voilà. Ebzefa! Attention! Bayek! Est-ce que c'est toi? C'est l'embuscade! J'avais deviné! Voilà. Voilà. Montre-lui là. Putain, ça c'est bon ça. Je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. Ils préparaient une embuscade. Heureusement que je suis venu à ta rencontre. Aidez-moi. Regarde-moi cette barbe. Ça fait presque un an, mon ami. Quel plaisir de combattre ainsi. Je n'ai plus l'habitude.
À Siwa, tout le monde obéit aux soldats sous peine de mourir. Ou pire encore. J'ai tué l'un des porteurs de masques. Le héron. Il en reste quatre. Viens. Le chemin a été long. Tu dois te reposer. Ah, non. Pas question. Je me reposerai quand les tripes des porteurs de masques cuiront au soleil. Bon sang. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Où est ta monture? Ok les gars, je vais juste faire encore une petite pause là, c'est juste pour changer une touche là de combat, je vais changer la touche de parade. Ok, c'est bon, on est reparti les gars. Alors, j'ai un point de compétence. Merde, c'est pas K comme dans les autres... J'ai une aptitude, non, ouais, je... Non. Ah non, putain, c'est mon niveau. Putain, et puis moi, je retombe maintenant, tu sais. Pour rappeler votre monture, maintenez. Ah. Okay. Ah, te voilà, toi. Mon limadé. Allons-y, Séni. Comment vont les choses, depuis mon départ? Oh, mon limadé. La vie est très difficile, Bayek. En ton absence, les villageois se tournent vers moi pour assurer l'ordre. Mais les soldats ont installé une garnison et ils contrôlent tout. Une garnison à Siwa? Ptolémée veut mettre toute la région sous sa botte. Je fais de mon mieux pour veiller sur les villageois, mais j'aurai besoin d'aide. Je ferai mon possible. Oh là là. Mais souviens-toi, je suis revenu ici pour rendre ma justice. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi, Séni. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les soldats de la garnison sont violents. S'ils ont l'impression qu'un habitant leur ment, ils mettent le feu au hameau. Ou bien pire. Il faut quand même un peu de pierre dans leur construction. Les paysans. Wow. Bienvenue chez toi, Bayek. Siwa t'accueille à bras ouverts. Là, 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 là. Wow. On va s'arrêter pour profiter un peu de ça. Oh là 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 là. Dépêche-toi, mon ami. Magnifique. Un peu vite, forcément, parce que c'est le désert, mais magnifique. Tout ce que vous possédez, vos fermes, vos biens, vos enfants. Ces villageois ont vécu un martyre. Personne dans la Wahat ne peut faire un geste sans être interrogé, menacé, taxé ou battu. Nous avons appris à obéir et à baisser la tête. Tu vois que je te mens pas, Séni. Nous n'attirons pas l'attention. Laissez le passage. Laissez passer. Je vais complètement perdu la tête. Les soldats, ça, des ennemis, j'ai reconnu. Est-ce que tu comptes aller dans ta maison? Rien ne m'attend là-bas. Parle-moi de l'Ibis. Medunamun. Il est ici? C'est un vrai fléau pour l'Oasis. Comme tu peux le voir, les soldats sont devenus bien plus violents depuis son arrivée. Avant, ils buvaient et ils se bagarraient avec nous. Depuis que Medunamun est là, ils sont plus disciplinés et plus féroces. Tu me donnes une raison de plus pour le tuer. On va les calmer, ouais. Ne le sous-estime pas. Il a beau être sec et maigre, il reste très puissant. Oui, voyez ce qui arrive à ceux qui désobéissent à mes prêtres. L'Oasis, mon prêtre du Pharaon. Bayek est revenu à l'Oasis. On va s'en occuper. Wow. Ah, nous y voilà. Bon, je descends. Laisse ta monture, ouais. Elle ne s'éloignera pas. Vas-y, entre. Non. Yeah. Wow. Putain, fais des... Elle fait des traînées de... Ah ok, descend aussi. Vas-y mon pote. Putain, il est pas pressé. Repose-toi mon ami. On a vécu une journée difficile. Ça, n'en ai aucune envie. Je dois me préparer à l'affronter. Ebzefa ! Ebzefa ! Les soldats ont encore...
Rabia. Ma Rabia. J'étais si inquiète pour toi. Ah, tu me connais bien, hein. Tu as de quoi t'inquiéter. Ah. Regarde-toi. Des bleus. Des coupures. Je vais bien. Assieds-toi. Allez. Allez. Je vais m'occuper de ça. Ah, tu n'as pas changé. Toi et Aya, combien de fois je vous ai soigné? Vous mentiez à vos parents. Les temps ont changé, mais toi, tu es resté le même. C'est un amour, cette femme. Par le sommeil d'Osiris. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Ah, Rabia m'a soigné, je... Je t'ai laissé dormir. Il te faudra des forces pour affronter Medunamun. Et puisqu'on en parle... Un nouvel arc. Vois s'il te convient. Vaut mieux que tu cherches à l'atteindre à la tête. L'un des mannequins est plus solide que l'autre. Tu peux trouver d'autres flèches là-bas. Ok. Bien. Hebzefa ! Qu'est-ce qu'il y a ? Des soldats viennent te chercher ! Allez ! Viens ! Vite ! Ah. Tuto infiltration, ça va être ça ? Personne ne doit quitter cette maison vivant. Hebzefa ! Nous venons seulement discuter ! Le nomarque a été tué. Ton ami le Medjay est sans doute coupable. Sors de là, si tu veux tenter de le disculper. Tendez une embuscade. Nek ! Ils vont trouver mes lettres et brûler ma maison. Okay. Je vais être exécuté. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Attention ! Pour vous accroupir. Quoi ? Qui est là ? Baisse-toi. Tiens, viens. Il s'approche un peu trop. Il y a un trou de balle. Ok, c'est bien scripté, parce que moi j'avais appuyé depuis un bel urètre. Maintenant, autour des autres. Ok. Les yeux. Je peux pas. Il peut pas monter là-dessus. Ah. Viens là, trou de balle. Alors, voilà. Et c'est vrai qu'on peut pas courir, on court automatiquement. Hop. C'était le dernier. Merci, Bayek. Mec, je m'en suis t'avais dit que ces Neketia Dead se moquent de tout. Ils se croient tout permis. Ouais, c'est triste.
Viens, monte avec moi. Je vais t'expliquer tous les devoirs du Medjay, Asiwa. Vas-y, explique-moi tout. Tous les problèmes de Siwa sont là. J'essaie d'aider tout le monde, mais c'est impossible tout seul. Tu es en train de me dire que tu n'as pas les pouvoirs d'un dieu. Mais le vrai problème, c'est l'homme que tu veux tuer. Medunamun. Son arrivée a suscité de l'espoir. On a cru que les choses s'arrangeraient. On a vite appris la vérité, en fait. Je crains pour la sécurité de ta famille, prêtre. Je vais redoubler d'efforts pour la mettre en lieu sûr. Voilà l'homme que tu veux affronter. Je vais le trouver et je vais le tuer. Medunamun est bien plus fort qu'il en a l'air. Et il sait s'entourer des meilleurs soldats. Ça ne changera rien. Tu vas te faire tuer. Il te faut un meilleur équipement si tu comptes affronter ce sac d'os. Au moins, une meilleure armure. Ah, je peux m'en occuper. Les armes, ce sera plus difficile. Les soldats ont pris toutes celles du village. J'irai voir le forgeron. Oui, Benipe pourra te fabriquer quelque chose. Et Senu pourra t'aider à trouver ce qu'il te faut. Senu. Senu est en vie. Regarde qui voilà. Senu, ma grande. Tu es superbe. Rabia a bien pris soin d'elle. Je dois la remercier. Les gens ont vraiment besoin de ton aide, Bayek. Tu peux les rallier à ta cause. J'ai bien compris. Allez, viens là, ma fifille. Donc c'est du beau rapace. Ok. D'aptitude encore. On ne donne pas la touche pour les points d'aptitude, non. Il me faut des pots, je dois chasser. Ok, va falloir qu'on chasse alors. D'accord. Quand tu en auras l'occasion, jette un œil à ma table. Des habitants ont besoin d'aide. Kerevun. Ça ne lui ressemble pas d'abandonner. La sourde. La map, c'est quoi? Oh. D'accord, ok. Frapper l'enclume. Cachette. On va aller voir ça là. Hop. Enfin, de trouver d'autres ingrédients de fabrication. Oh. C'est nous. Là-bas. D'accord. Ah putain, il y a des mecs qui transportent des... Oh, ça transporte des matériaux en char et tout, donc faut attaquer le truc, quoi. Ah ouais, c'est des convois et tout, oh, c'est trop bien. C'est trop bien, il y a de la peau aussi là-bas. Bon, on va aller se prendre la quête, là, qui est là, là. Ça, là. On va aller prendre ça. Hop. Ça, les mêmes zip. Regardez qui est de retour à l'Oasis. Bayek, notre Medjay. Bayek, sois prudent. Qu'est-ce qui est arrivé à ta forge? C'est Neketia d'aide de soldat. Un capitaine de Ptolémée m'a vu fabriquer une épée et m'a accusé d'être un rebelle. Ils n'avaient pas tort. Non, mais ils m'ont pris tous mes outils. Ah, les chiens. Ah ouais. Tout le monde a besoin du forgeron. Même moi. Je ne peux pas t'aider, Bayek. Pas avant d'avoir récupéré ma masse et mes pinces. Et qu'on m'ait débarrassé de ce capitaine aussi laid qu'Apep. Tu sais où je pourrais le trouver, ce capitaine? Et tes outils? Au pied des collines, à l'ouest d'ici. Au camp Shedje. Je te rapporterai tes outils. Et je m'occuperai de ce capitaine. Felipe a dit que ses outils étaient au camp Shedje. Le capitaine voleur d'outils est aussi le chef du camp Shedje. Donc ça va être à 300 mètres là-bas. Ptolémée nous a tous tellement fait souffrir. C'est ça.
Ne tirez pas pile, c'est pas une baraque. Voilà, bien. Merde. Il a une double attaque. Merde, j'ai tapé le dromadaire. C'est bon. Notre Medjay est de retour. C'est bien celui auquel je pense. C'est le point que je dois aller voir. Ah, c'est là-bas. Ok. De toute façon, on a ça sur la route. On va explorer un peu. Mon vieux poste de Medjay. Je devrais envoyer Senou là-haut. C'est elle qui va capturer. Attends. C'est elle qui va capturer le truc? Parce qu'il dit faut que j'envoie ses nous là-haut. Je comprends pas. Non, c'est moi qu'il faut que je. Faut que je monte là-haut, non? Eh bah oui, c'est moi, il faut que je monte là-haut. Pourquoi il dit faut que j'emmène ces nous là-haut? C'est ça que je comprends pas. Bon. On va se marquer un truc là pour aller récupérer de la peau. On va aller choper ça. Hein. D'accord, donc ça c'est les postes d'observation en fait marqués comme ça. Halt! Lui un geste! Ouais, t'inquiète, 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 je me cache. Tranquille. Tranquilo. Grimper ça, Bayek. Ah ouais. Ah ouais, bon Bayek. Tu fais des manières comme ça. Ok. Mission. Oh. Oh oui. Oh oui. Oh, je suis trop content d'avoir acheté le jeu. Oh putain. Ah, le cercle de pierre. Pour effectuer un seul. J'y avais amené Kemu il n'y a pas si longtemps. Ah mais là faudrait pas que je fasse un saut de la foi parce que en fait faut que j'aille là-bas moi. Donc allez, descends moi ça. Oh lui. Fais ça bien. Et puis même en termes de combat et tout, c'est retour à origine et j'aime bien parce qu'en vrai, Valhalla, en termes de combat, c'était pas ça. Hein. En termes d'histoire, beauté d'univers et tout machin, ça allait, même quoi que l'histoire, j'ai pas trop apprécié. Après, je pense que c'est plus moi, j'aime pas trop délire. Bah, Viking et tout, c'est pas mon truc déjà de base, mais ou alors faut que ça soit bien fait quoi. Genre comme la série Viking ou la série Last Kingdom, tu vois, mais il faut vraiment que ça soit bien fait. Hein, sinon... Voilà. Voilà. Merde. C'est vrai que je maintiens shift pour courir alors qu'en fait ça me fait pareil, du coup je cours vraiment moins vite. Oh là là, mais le nid. Je sais pas si c'est le nid, mais...
graphiquement, c'est joli. Hein. Bon, on sent que c'est pas non plus de toute fraîcheur, mais c'est quand même vraiment joli. Hein. Là. Vous êtes là même. Ça devrait suffire. Nate, déesse de la chasse, je te remercie. Ça dit quoi? Comment ça? Merde! Le souci est un peu élevé, mais bon, ça va le faire. Le machin du gars là, le gars qu'on doit aller buter au forgeron. On dira. Qu'est-ce que j'ai? Fenuku, c'est dangereux ici. Rentre chez toi. Bayek, tu es revenu? Où est Chenzira? Il voulait voir les crânes dans la tanière des hyènes. Mais les hyènes, elles sont revenues. Je me suis sauvée par là. Chenzira est partie du côté du tombeau. Tu as de la chance que les hyènes ne t'aient pas poursuivi. Rentre au village. Je vais retrouver ton frère. Quoi? Il faut que je le dise à mes parents. C'est Chenzira qui t'a entraîné. Ce sera à lui de le dire. Maintenant, va. Chenzira, reste où tu es. Je viens te chercher. Bayek, c'est toi? Tu es revenu? Ouais, je viens te chercher, mais est-ce que ça va me niquer toutes mes peaux ou pas? Dans le doute. Ça fera parfaitement l'affaire. Ah non, c'est bon. Ok, c'est terminé. Ok, ah oh, ok, c'est là. Non? Ah oui. Comment Chenzira a pu passer par ici? Gueule, tu me diras. Ok.
d'accord. D'accord. Merde. On passe. Kendira, tu n'as rien? Je n'en reviens pas, je suis de retour. Attends, oh merde. Mais je voulais récupérer deux. Tu ne devrais pas être là. Je me cache des hyènes. Et Nuku m'a tout raconté. Prendre des risques, ça ne te suffit pas? Il faut aussi que tu mettes ton petit frère en danger. Mais... C'est pas bien. Depuis que Kemu... Ça va, je comprends. Viens, je vais t'emmener ailleurs. Regarde ça. J'aimerais bien le savoir. Il doit être ancien. Un jour, j'apprendrai à lire ce qui est écrit. Par où tu es entré? Par là. C'est là que tu viennes. Bayek. Qu'est-ce que c'est? De vieilles écritures de l'ancien royaume. Bayek voudrait dire... Qu'est-ce qu'il y a, Chintira? Pourquoi? Point d'aptitude, encore. Attends deux secondes, je reviens à toi, mon ami. Regarde l'ennemi pour que. C'est nul, les tours 10. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas au niveau de Far Cry Primal où tu peux tuer un mec avec, mais. Vous pouvez vous équiper d'un deuxième arc. Ok, ouais, bon, on s'en branle un peu. Porteur d'armes. Je pense qu'il faut. Parce que j'ai bien envie d'avoir ça pour avoir deux armes. Mais je me dis que le bouclier c'est peut-être bien aussi, tu vois. Oh, ah oui. Ça, c'est pas mal aussi ça. C'est pas mal aussi. Putain, il y a tout qui est bien en vrai. Ouais, ah oui, bah de toute façon, j'ai pas assez. Ah, ça m'a pris 2 points. Ah putain, je suis trop con. Ne t'en fais merde, pas. J'aurais dû regarder. Dira. Bon, tant pis. On pouvait pas deviner ce qu'ils allaient faire. Amon, accueille place, n'importe qui aurait fait la même chose. Si tu le dis. Il a donné au temple de l'or, de l'or en grande quantité, des émeraudes en grande quantité, du grand en grande quantité. Il nous a guidés et a offert de très généreux cadeaux spirituels afin d'assurer la prospérité de Siwa et faire progresser ta mère. Ta mère. Ah oui, il voulait faire progresser. Reste près de moi. Ouais, putain, c'est le chien. Ok. Là, il va y avoir des yens, c'est ça? Chenzira, cache-toi! Elles sont toujours là! Aide-moi! Viens, 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 tape! Il n'y a plus de danger. Rentre. Allez, viens, viens, petit. Bayek, je peux te demander quelque chose? Ouais. Tu peux. Tu penses que je pourrais devenir Medjay? Eh bien, je vais commencer par veiller sur ton frère, et ne pas l'emmener dans des endroits bien. Dangereux. Très bien dit. C'est promis. Maintenant, rentre chez toi. Allez, nouveau petit point de compétence. Allez, où est-ce qu'on doit aller maintenant? Ok, d'accord. On est là. Ben, ça c'est une maison, piller les trésors. Ok, j'ai pas encore découvert le truc. Comment je fais pour me déplacer? Ah oui, juste comme ça.
ça. Trouvez votre cible. Indique la position approximative de votre cible. Rejoignez cette zone avec Bayek ou Senu. Ok. Et à 300 mètres. Je pense que je peux appeler ma mon limadaire. Wow. Oh, tu peux te battre en limadaire. Oh, oui. Wow. Ok, bah oui, bah il est dans le camp. Ah oui, d'accord, bah il est. Ouais, ouais. Ok. Bah, c'est très bien, ça va nous faire un petit camp en même temps à faire. La ligne jaune indique la direction de votre cible. Lorsqu'elle se transformera en cercle, elle vous aidera à trouver votre cible. On peut pas marquer les mecs pour l'instant. Non, on peut pas marquer les mecs pour l'instant. Ok, bon. Bah ça part. Coucou. C'est nous. Toi, arrête-toi. C'est bon, tranquille, tout va bien. Attends, je vais juste attendre que ton chef parte. Ah oui, non, c'est bon. Ah, c'est lui, le Golgut. Gros Golgut. Alors, attends, ah oui. Ça, c'est cool, ça, par contre. Halt, plus un geste. Tranquille. Tout est bon. Au calme. GG. Oh oui, on peut faire ça encore. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. J'ai mes munitions au complet. Bon. L'IA, c'est toujours. Hop. Merde. Ah, j'ai perdu un peu de santé quand même là-dessus. Hein. Ça me les marque même pas et on les voit même pas à travers les murs quand je fais ça. Et là, Florent. Quoi ? Où est-ce qu'il y en a, Florent ? Oh. Oh.
l'œil. Je ne veux pas de surprise. Rien ne dit que tout danger soit écarté. Je suis en train de gémir, ça. TG. Hop. Là-dessus. Normal maintenant. C'est bon. Hein, mais que. Oula, 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 oula. Tranquille, 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 tranquille. Mais viens par ici en vrai. Je veux pas le one shot. Oh, ici. Quoi ? Crève ! Merde. T'aurais pas dû venir ici. Hop, nickel. Ah. Loupe des choses, moi. Ah ouais. Urgent, Mutis, il est important de garder un pied à Siwa, sinon ils nous tueront, je t'aime de tout mon cœur. Mais aucune offrande ou prière ne saura remplacer la volonté d'un guerrier, c'est en combattant que nous parlons aux dieux. Ok. Les outils de Benipé. C'est bon. Tout est réglé. Et donc là, le camp, il est nettoyé, c'est bon, nickel. Super, je vais lui ramener ça. Je vais avoir du mal hein, au début à comprendre qu'on peut pas courir. Ennis, c'est Jeriet. Je crois que surtout il y a Assassin's Creed depuis le début à courir. Hein. Oh. On court jamais en automatique comme ça. Si. C'est le seul, hein, je crois. Bayek, comment ça s'est passé? Voilà tes outils. Voilà. Ce capitaine ne remettra plus les pieds ici. Je peux enfin rouvrir ma forge. Merci beaucoup. Je t'en prie. De rien, mec. J'ai ressorti ces armes que j'avais cachées aux soldats. Vas-y, je te l'offre. Choisis-en une. Okay. Prends-en une. Elles ont toutes la même valeur. Un arc. Un marteau. Yannou ! Un bouclier. L'arc. Cet arc est équipé d'une corde spéciale. Il n'est pas très puissant, mais... Allez, merci, mon ami. Tu passes à mon échoppe quand tu veux, Bayek. Pas de soucis, bon. Je vais peut-être même y passer maintenant, on va voir, quand même, ce que je propose. Bayek, bienvenue. Amélioré. Amélioré pour 1500, d'accord, donc là, il faut juste de l'or pour améliorer des trucs... Ok. C'est bien. Je suis toujours content de te voir, Bayek. Ça me va. Alors, où est-ce que je dois aller? Je vois pas des arbres, on en a plein. Pour l'instant, de toute façon, on est même pas niveau 3, donc. On voit les âmes, traverser le Styx. Dégâts discrets. Ok, mais de toute façon, je pense que moi, tout ce que j'ai là, c'est... Ah non. Pourquoi j'ai celui-là d'équiper, moi? C'est celui-là que je veux.
Ma vitesse de chargement, c'est même peut-être même pas celui que je voulais, mais comment je le tire. Je ne sais plus celui-là. Léger, non, ça c'est des arcs légers. Ouais, non, il me faut un arc de chasseur, mais moi je pense qu'en vrai, tous les trucs en jaune là, comme ça, là c'est légendaire, donc c'est forcément mieux que les autres trucs. Faut juste que je les améliore, donc il faut que je fasse masse pognon. Donc pour faire masse pognon, il faut que je fasse masse quête en fait. Attends, on va quand même regarder ce qu'il y a, comme ça va nous débloquer les machins, parce que moi je t'avoue que. Hop. Une parade. Allez, non. Ok, alors, c'est une des quêtes. Trouver et tuer Medouna Moon. Oui, bon, bah ça, quoi que, en vrai, c'est possible ou pas? Niveau suggéré 5. Je ne vais pas se le faire directement. Gagner en force, mais vous avez deux niveaux de moins. D'accord, ok, donc il faut d'abord que. Ah non, je peux le faire tout de suite. On va se planter tout de suite. Hein. Voyez ce qui arrive à ceux qui désobéissent à Medouna Moon, prêtre du pharaon. Assurez-vous de suivre fidèlement ses ordres bienveillants. Ah bah plus pour longtemps hein. Parce que là je vais m'en occuper là. Plus, ça va nous faire des coups. Putain mais cette ambiance. Ah ouais putain. Retour dans Age of Mythology. Ok. Il y a quelqu'un? Si je n'étais pas prêtre, je vous briserais le crâne à tous. Ce qui parle. Attendez les gars, faut que je fasse une pause, faut que j'aille pisser, et je reviens. Bon, c'est bon, je suis de retour les gars. Allez, parti pisser un coup. Allez. Je vais parler à un mec là, c'est ça. Ah. Oh. C'est un lieu sacré. C'est le temple d'Amon. Qui vont régulièrement au temple. Je veux qu'ils soient tous interrogés. Bien sûr, Seigneur. Ah. Yeah. Vous n'avez pas le droit de nous enfermer. Par tous les dieux, il est ivre. Les dieux ne vous le pardonneront pas. Ça ah, il a réalisé ça quand même. Rien. Reste derrière moi, Kirgé. Protège le net. Il aurait dû profiter de tes talents et devenir eunuque. J'ai une bonne nouvelle. Il n'aura bientôt plus de problème.
Je vais le transpercer. Ça demande beaucoup de travail de devenir aussi bête. Là, laisse-moi sortir et affronte-moi. En protection. Comment oses-tu me menacer? Ouh. Avec moi. Je vais t'écraser comme la vermine. Ça demande beaucoup de travail de devenir une bête. J'ai une bonne bouche. Voilà, ferme ta gueule maintenant. Tu m'as pris pour ta tofu. Toi, tu es revenu. Pour rendre la justice, je meurs mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux. Des vertueux, La crypte nous offrira le pouvoir des dieux. Alors la vie d'un enfant. La vie d'un enfant. Papa. Par contre, qu'il fasse pas le malin parce que je l'ai fait à l'ancienne. Oh, oh, pas loin. Allez, encore une fois. D'accord. Eh. Eh bien, je peux essayer. Comme ça, j'en aurai deux. Bien sûr. Bon. Lève. Tends. Prêt? Oui. Et... Oh, tu m'as fait rater. Kébou, par ici. J'ai trouvé la caverne des hyènes. La caverne, oui. Bah vas-y. Tu vas l'adorer. Il y a au moins 16 hyènes. Elles sont toutes noires et effrayantes. Eh ben, en fait, je préférerais aller chasser avec mon papa. Oh, t'as toujours peur de tout. Eh. Eh, eh. Et si on allait chasser pour de vrai, hein? D'accord. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va chasser? L'oracle a besoin d'une peau de bouquetin mâle pour la cérémonie. Tu te tiendras à côté du pharaon? Pas vrai, Bayek? T'es le Medjay! Quand je serai Medjay, je serai aussi à côté du pharaon. Tu seras jamais Medjay. T'as bien trop peur. C'est pas vrai. Et la grotte Oyenne, alors? Tais-toi. Ça suffit, vous deux. Le sable me brûle les pieds. Peut-être qu'ils vont prendre feu. Ça te fera aller plus vite. J'aimerais bien que mes... Il est devant nous. Je peux venir? Non, ta mère t'attend. Très bien, on se voit à la cérémonie, Kemu. Au revoir, Shenzira. Le troupeau n'est pas loin. Pas après n'importe quel. C'est le chef qu'il nous faut. Comment on le reconnaît? Le grand. Au grand corps. C'est comme moi. Fera plus de temps ensemble. C'est le moment. Reste là. Voilà. Tous les deux. Ah, c'est mon moment préféré. Baisse-toi. Ils vont nous voir si on ne devient pas comme Amon, le dieu qu'on ne voit pas. Oui, papo. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Tu vois? Mes yeux et ma main sont alignés sur la flèche. Touché. Ça lui a fait mal. Premier coup, un tir en plein cœur ne fait presque pas souffrir. Pas louper une flèche.
Allons chercher cette peau. Nous apporterons ça à l'oracle avant la tombée de la nuit. Un jour, je vais tirer une flèche à travers le soleil. Tu peux. À condition que ta flèche soit comme Senu. T'as raison. Si mes flèches étaient comme Senu, je pourrais chasser tout ce que je veux. Tu as dit que tu aimerais voir le pharaon de près. Oui. Et si tu venais avec moi à ses côtés? J'ai le droit? En tant que fils de Medjay, le futur Medjay. Papo, c'est quoi un Medjay en vrai? Le premier Medjay était le protecteur du pharaon. Mais ça signifie que tu dois veiller sur tout le peuple d'Égypte. Pas seulement le protéger, mais œuvrer pour leur bien-être. Oh, Papo, je suis si heureux de devenir Medjay. Toi, tu connais tous les secrets de Siwa. Et si je ne deviens jamais Medjay? Tu le deviendras. Tu es mon fils. Mais ça me fait peur. J'essaye d'être courageux. Mais parfois, c'est dur. Attends. Passons par là. Tu sais, quand j'avais ton âge, parfois, moi aussi, j'avais peur. Ton grand-père était un Medjay de renom. Et il tenait à ce que je fasse honneur à la famille quand je lui succéderai. Allez, saute, tu vas aller te péter les deux jambes. La pointe d'Alma. Alors, ça broute. Un temple là. Voilà. La pointe d'Alma. Maintenant, saute et meurt. Quel mot il disait, ton père, déjà? Saute. Ne réfléchis pas. Saute. Oui, papa. Allez, crois-moi. Tu peux. Je sais, j'y vais. Alors saute. Bon, reviens, tu n'es pas encore prêt. Je peux le faire, papo, je peux. Ah! Tais-toi, pauvre petite vermine. À l'aide, aide-moi. C'est Shenzira. Je t'ai dit de te taire. Retourne auprès de ta mère. Ne t'inquiète pas pour Shenzira, je m'en occupe. Medjay Bayek. Va, allez. J'ai peur, papo, je veux pas rentrer tout seul. Oh, Kemu, pour une fois dans ta vie, ne sois pas lâche. Va. Medjay Bayek. Les mots durs qui sont prononcés. Je suis bien le Medjay ici. Qui veut me parler? Range ton arme et suis-moi. T'as dit que tu voulais juste lui parler. Ah! Après, des fois, la vérité est dure, mais... là pour faire. Viens. Tu t'es pris un coup sur la tête? Péter le fjord. Ton moindre bruit, tu es mort. Qu'est-ce qui vous a retardé? Cool, hein. On a été discret, seigneur. On est resté dans l'ombre. C'est ta gueule, toi. Ne regarde pas comme ça. C'est quoi ce grand casque là? C'est pour compenser quoi? Hein? Merci d'avoir accepté de te joindre à nous, Medjay. Il est d'une importance cruciale que nous accédions à la crypte. Les prêtres du temple s'entêtent à refuser de nous aider. Tu y répugnes aussi, peut-être, par loyauté envers le roi. Il se trouve que nous avons ici quelqu'un qui devrait t'aider à changer. Silence! Ah ouais, carrément, donc il y a le casque, grande barbiche, ouais, c'est vraiment pour compenser quelque chose. Medjay,
Ouais, détache mes liens, je vais te laver la rondelle là. Fais pas le malin, je te le dis. Oh non. Non, pas le fils. Pas le fiston. Pitié. Don't touch my son. Veillez à ce que personne n'entre. Kemu, tu es blessé. Vas-y, essaie à ta manière. Laissez mon fils en dehors de ça. Ton fils a quelque chose à t'expliquer. Libis peut-il lui montrer l'orbe? Nous pensons qu'il faut ceci pour entrer dans la crypte. C'est une perte de temps. L'enfant est effrayé. Tout va bien. En tant que Medjay, tu dois connaître un indice ou une légende qui explique son usage. Je ne sais rien sur cette crypte. Ah, par pitié, ne mêlez pas mon fils à ça. Seigneur, le pharaon a été alerté. Il insiste. Nous allons être découverts. Vite. Parle à ton fils. Si la crypte n'est pas ouverte à notre retour, tu ne le reverras jamais. J'ai fait ce que tu m'as dit, mais... Ah, tout va bien, fils. Non ? Papo, je peux te l'apporter. Non ! Kemu, non ! Ils vont nous faire du mal ! Kemu, il faut... Kemu ! Quelle perte de temps stupide ! Non, Kemu, Kemu ! Non, viens, viens, viens ! Parle. Non, je ne sais rien. Nous devons partir. Je vais arracher le cœur de ce garçon. Non, attends. Il ne connaîtra jamais l'autre monde. Non, je vais parler. Il veut gagner du temps. Qu'est-ce que c'est? Arrête. C'est de la folie. Le serpent considère que c'est ta réponse. Ah non ! Kemu ! Kemu ! Kemu ! Était capable de sauver ton propre fils. Tu n'es personne, Bayek de nulle part, misérable père de personne. Et là, tu meurs au nom de personne. Vas-y. Déchaîne. Puisse le cacher t'accueillir. Le seigneur de la droite t'attend. Putain, la vie de merde de Bayek, quoi. Putain. Je viens d'exposer un crâne. J'ai encore de la cervelle sur les mains, hein. Bien joué, mon ami. Notre héros est de retour. Tu as ramené la joie, Siwa. Je dois partir pour Alexandrie. Il faut que je voie Aya. Allons, ne te précipite pas. Siwa a besoin de son Medjay. Ici, c'est toi le protecteur. Je suis toujours heureux de t'aider. Viens me voir quand tu seras prêt à partir. Nous boirons une bière à notre amitié, mon ami. Pas de soucis. Ben, je serai là. Bon. Ben, nous, on va s'arrêter là.
Et parce que bon, là, l'épisode il va durer un petit peu longtemps quand même. Puis du coup, on se dit à la prochaine pour le second épisode. Allez, ciao à tous!